c'est bien le dernier des prophètes. Wa innahu nabiyun, il sera le prophète. Alors, Hirak maintenant, il est sûr, il a sa certitude, que moi aussi je suis sûr, et mon ami qui a une très grande science à Constantinople là-bas, lui aussi, il est d'accord que cette personne, c'est le dernier des prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce que Hirak il va faire? فأذن هرق لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. Alors il est toujours en Syrie. Et là, en Syrie, il avait un palais. Dans ce palais, Hirak va faire appeler tous les notables et tous ses ministres. Et là, tout le monde va venir. ثم أمر بأبوابها فغلقت. Ensuite, Héraclius ordonnera que les portes de ce château soient fermées. ثم طلع فقال. Ensuite, il est parti dans un endroit légèrement élevé. Il a dit: يا معشر الروم أو بولي رومان هل لكم في الفلاح والرشد؟ Voulez-vous donner préférence à la réussite et à la guidée؟ وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ Est-ce que vous voulez la victoire, la guidée et garder votre royaume؟ Si vous voulez faire cela, alors acceptez la religion de ce dernier prophète. Si vous voulez la guidée, la victoire et que Rome reste forte et ne soit pas détruite par les guerres, alors acceptez la religion de ces derniers prophètes. C'est l'annonce qu'a fait Héraclius devant tous les Romains. Mais lorsqu'il a fait cela, فَحَاصُوا خَيْصَةَ حُمْرُ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ. Alors, exactement comme des animaux sauvages, tout le monde s'est levé, ils sont tous courus via cette porte pour montrer leur mécontentement avec cette annonce d'Héraclius et pour montrer qu'ils ne voudront pas se convertir. فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ. Mais ils verront que les portes seront fermées. فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَدَهُمْ. Et lorsque Héraclius verra leur dégoût pour la religion de l'islam, وَعَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ. Et là, il a compris que le peuple ne veut pas de l'islam. Si lui, il accepte l'islam, alors on va le tuer. Et nous avions vu que le prêtre de Constantinople, qui lui avait affirmé fort, haut et fort, sa conversion, il s'était fait tuer. Et donc, Héraclius, lui, il ne voudra pas mourir de la sorte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? Il s'était mis un peu en hauteur, de façon à ce que, en faisant cette annonce, si quelqu'un voulait l'atteindre, alors personne ne pouvait l'atteindre, il était en haut. Il a fermé les portes, de façon à ce que si les gens n'étaient pas d'accord avec cette annonce, personne n'aurait eu l'occasion d'aller dehors, à l'extérieur, et de dire que Héraclius a changé de religion. Donc, il s'est protégé contre les gens qui étaient dans l'assemblée et les personnes extérieures. Mais maintenant, lorsqu'il a vu que maintenant il n'y a pas de possibilité d'accepter l'islam, oh, Héraclius il a dit: Rudouhoum alayya, revenez tous vers moi. Et là, nous allons voir comment est-ce qu'il va changer d'avis. On va dire, Héraclius va dire: Inni qultu ma qalati anifan, tout ce que je viens de dire à l'instant, pourquoi est-ce que je l'ai dit? Akhtaru biha shiddatakum ala dinikum. Je n'ai fait cela tout simplement pour voir votre amour pour votre religion du christianisme. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas m'en convertir. Moi, j'ai simplement dit ça pour voir si vous étiez fier de votre religion ou est-ce que, pour une quelconque raison, vous allez quitter votre religion. Mais j'ai vu que vous étiez ferme, vous étiez des vrais chrétiens, des vrais pratiquants, et je suis fier de vous. Et lorsqu'il a dit ça, alors tout le monde s'est prosterné devant Héraclius. Et tout le monde était content d'eux. Ils ont dit: oh Héraclius, vraiment, tu es le meilleur des empereurs. À un moment, tu étais tellement sérieux qu'on a cru que tu voulais te convertir. Mais maintenant que tu nous as dit que tu ne veux pas la conversion, nous sommes fiers de toi. Tu es le meilleur des empereurs. Ne t'inquiète pas, jamais nous n'allons nous convertir à la religion de l'islam. Donc d'un côté, Héraclius, il a gardé son pouvoir. Et de l'autre côté, il a compris que s'il va se convertir à l'islam, là il va faire une erreur, il risque la mort. Mais nous avions déjà dit précédemment que c'était une erreur de la part d'Héraclius. فكان ذلك آخر شأن هرق. Et là, c'est la dernière chose qu'on peut dire sur Héraclius. C'est-à-dire que, par rapport à cette histoire, c'est terminé. Héraclius n'a pas accepté l'islam. قال أبو عبد الله. On va s'arrêter là pour l'instant. Dans les narrateurs de hadith disent que, à propos d'Héraclius, il est difficile de dire est-ce qu'il s'est converti ou pas. Dans ce hadith, nous voyons qu'il est attiré vers l'islam, mais qu'il n'a pas dit haut et fort qu'il s'est converti à l'islam, mais peut-être qu'intérieurement, dans son cœur, il a accepté la religion de l'islam. Mais d'un autre côté, nous voyons que dans deux campagnes,
La guerre de Maouna et de la guerre de Tabouk, Héraclius, le même Héraclius, il a monté une armée contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la guerre de Tabouk aussi, il a reçu une seconde lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a lui aussi envoyé une missive au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette missive, qu'est-ce qu'il y avait? Il a envoyé un homme qui s'appelle Tannouri. Il a dit que va donner cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et regarde trois choses. Tannouri était à l'origine un arabe qui habitait à Rome, donc il était sous les ordres de Héraclius. Il dit que lorsque tu vas donner ma lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors regarde, est-ce qu'il te parle de ma lettre ou pas. La deuxième chose, est-ce qu'en lisant ma lettre, il va faire allusion à la nuit. Et aussi, regarde si entre ses deux épaules, il y a le signe de la prophétie. Et comme nous l'avons dit, Tannouri, il était un arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va immédiatement l'inviter vers l'islam et va dire que tu es arabe, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas vers la religion de ton ancêtre, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam, et tu n'acceptes pas la religion de l'islam, tu as même je suis le dernier des prophètes. Et là, Tannouri va dire que je suis là en tant qu'émissaire, je ne peux changer de religion tant que je n'ai pas terminé cette mission. Pour l'instant, je reste chrétien. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un sourire ironique avec beaucoup de tristesse. Il a dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, que ce n'est pas l'être humain qui guide mais c'est Allah qui guide. Cette personne, malgré qu'il était arabe, il a préféré rester chrétien plutôt que se convertir à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ensuite Tannouri, donc il va donner cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que oh Tannouri, j'ai envoyé une lettre chez le roi de Perse. Il a détruit ma lettre, il a écrasé, il a déchiré ma lettre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il va détruire le royaume de Perse. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Ensuite, il va dire que j'ai envoyé une lettre à ton roi, mais le roi, il a caché ma lettre au peuple. Il n'a pas montré au peuple cette lettre. Alors, lui aussi, il restera tant que cette lettre sera caché, sans qu'il ne fera rien de mal contre cette lettre, il gardera le pouvoir, et lorsque cette lettre sera évidente, il va perdre son pouvoir. Là, Tannouri a dit très brièvement, l'histoire est assez longue, on abrège un peu, Tannouri va dire que là, c'est le premier signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné la lettre qui avait été envoyée vers Héracle. Ensuite, le Héracle de sa lettre, il avait écrit au prophète d'Allah que « Oh Mohammed, tu m'as dit que celui qui sera guidé, il ira dans le paradis. » Alors, pour qui est-ce que l'enfer est réservé? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant ces lignes, il a dit « Oh, ta nourrice, lorsque l'on a parlé déjà du jour et qu'on a parlé des bienfaits du jour, quel est le stupide qui veut parler de la nuit ?» C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que j'ai parlé du paradis. Je lui ai dit que s'il accepte l'islam, le paradis lui est réservé et lui me parle de l'enfer. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé le paradis au jour et l'enfer à la nuit. Mais toujours est-il que dans sa phrase, il a mentionné le mot de nuit. Donc là, Tannouri a dit que là, c'est le deuxième signe. Ensuite, il va dire à ses compagnons que, oh Tannouri, nous sommes là en campagne. Théoriquement, nous devons t'héberger. Mais nous n'avons pas de quoi t'héberger ni te nourrir. Donc, Hazrat Othman, radiallahu ta'ala, lui donnera quelques vivres. Et un compagnon proposera de l'héberger de sa tente pour la nuit. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas t'héberger plus, car nous-mêmes, nous sommes en campagne. Alors, fais la dernière chose qui t'a demandé d'être fait, c'est-à-dire regarde le signe de la prophétie sur mon dos, ta nourrie le fera, et ensuite, il retournera vers Hirak pour dire qu'effectivement, tout ce que tu as prédit s'est passé. Et là, Hirak, il aura encore plus de conviction sur la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de lors d'une campagne, Héracle va même faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que, oh prophète d'Allah, je crois en l'islam, j'ai accepté la religion de l'islam, mais je suis obligé de monter cette armée contre toi car mon peuple me l'a obligé, mais ne t'inquiète pas, j'ai accepté ta religion. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Héraclius est un menteur. Sa langue a peut-être dit qu'il est musulman, mais son cœur n'a pas accepté la religion de l'islam. Donc il y a deux catégories de narration, mais en apparence, le plus évident,
ce que Héraclius n'a pas accepté la religion de l'islam. Maintenant, Allah seul sait ce qui est vrai. Donc voilà, nous avons terminé ce hadith. Quel est le lien de ce hadith avec ce chapitre de Badul Wahd, les débuts de révélation? Alors, tout simplement, c'est que dans les révélations, il y a Allah, c'est celui qui envoie la révélation. Hazrat Jibrail, c'est celui qui emmène la révélation. Et le prophète Allah, c'est celui qui reçoit la révélation. Et dans ce hadith, nous avons la preuve que le prophète Allah, c'est vraiment lui qui mérite ces révélations. Et c'est vraiment sur lui que descendaient ces révélations. Nous avons là les signes de sa prophétie. Certains groupes disent que Hazrat Jibrail s'est trompé et que c'est Ali radiallahu ta'ala qui devait mériter de la prophétie. Là, dans ce hadith, nous voyons que cette avancée est erronée, car dans ce hadith, Héraclius lui-même et Abu Sufyan, avant même sa conversion, avaient prédit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient compris que c'était lui le dernier des prophètes. Et aussi que il n'y a pas que Héraclius et Abu Sufyan, mais nous avons vu que les astres, toute la nature, etc., a approuvé, toute la nature a approuvé la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, le chapitre c'est quoi? C'est Badul Wahyi, les débuts des révélations. Et là, dans ce hadith, nous sommes partis encore plus loin que le début des révélations, nous sommes partis vers les qualités qui ont amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à devenir prophète. Donc, nous n'avons pas simplement vu les premières révélations, mais avant ces premières révélations, l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mériter ces révélations, c'est ce qui a été traité dans ce hadith. Et enfin, au début de ce chapitre, il y avait un verset qui disait Inna ohayna ilayka kama ohayna ila nuhzum wa nabiyyina min ba'dih. Que au prophète d'Allah, nous envoyons sur toi la révélation comme nous l'avons envoyé sur Hazrat Nuh et sur les autres prophètes qui l'ont suivi. Là, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il méritait lui aussi la révélation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et dans ce hadith, il y a le terme dans la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y avait comme verset? Ya al-kitab, au bout les gens du livre, ta'alaw ila kalima, venez sur une même parole, sawa'in baynana wa baynakum, sur lesquels nous sommes du même opinion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans le premier verset, il y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit les révélations comme les autres prophètes l'ont reçu, et dans ce hadith, il y a que le message qui a été donné par les prophètes antécédents et le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les mêmes messages, le message de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce dernier hadith, nous voyons que la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant les premières révélations, et aussi que ces révélations qu'il va recevoir, ce sont les mêmes ordres qu'ont reçu les autres prophètes alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si dans la pratique il y a des petits changements, mais dans la croyance, dans le fond, c'est la même chose. Et enfin, Imam Bukhari dit, قال Abu Abdillah dit, رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري que صالح بن كيسان et يونس et معمر, ces trois narrateurs, ils rapportent ce que nous venons de dire de Imam Zahri alayhi rahman. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce très long hadith que nous venons juste de terminer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous terminons par la même occasion ce premier chapitre sur les premières révélations. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa.